la communauté des radios de ces jours-ci, les choix sont à la fois multiples et divers. Et sur la bande FM ou en Sub Carrier, on comprend combien votre choix peut être embarrassant. Mais dans la foulée des options et des choix possibles, les bons sont très rares. Il est vrai, trop difficile à faire. Dans ce doute, ne vous abstenez surtout pas. Soyez intelligent. Faites le choix le plus intelligent. Nous sommes ceux qui relient votre réveil à votre sommeil. Ceux qui allument et colorent vos nuits les plus difficiles. Nous sommes la procédure qui va des dinosaures aux voitures électriques. De l'antiquité ou du lambi qui devait rassembler les esclaves jusqu'à 1804. Aux vidéophones d'aujourd'hui qui nous connectent au monde entier à la seconde. Nous sommes le pourquoi la science existe. Nous sommes carrières, nous sommes la première. Sur les dernières technologies de l'information, nous sommes la dernière. www.radiotvévolution.com. Nous sommes Radio Évolution Inter. Votre choix intelligent. Alléluia, que vous êtes bénis.
Défenseur de la foi chrétienne, défenseur de l'évangile de Jésus-Christ, défenseur de la Bible, inconditionnel combattant et combattante pour le triomphe du vrai évangile de Jésus-Christ, ambassadeur, ambassadrice de la vérité évangélique, homme de prière, femme de prière, guerrier, guerrière de l'évangile apostolique, chrétien du vrai christianisme, catholique du vrai catholicisme, protestant du vrai protestantisme, orthodoxe de la véritable orthodoxie chrétienne, anglican du vrai anglicanisme, zamibiba tout partout, ministre divinement appelé au ministère de Dieu. Son plaisir pour l'ensemble jeudi en ce début de semaine, ce lundi 29 juin 2020, pour vous apporter la 707e édition de l'émission Causer l'Église sur le 106.5 FM stéréo, la radio télé Évolution Inter, la radio des radios dont vous écoutez depuis Saint-Marc, Haïti. L'émission Causer l'Église, la ligne offensive et défensive de la vérité de Dieu. L'émission Causer l'Église, l'émission qui dit la vérité biblique, rien que la vérité biblique, toute la vérité biblique. L'émission Causer l'Église, l'émission qui ose débattre, combattre et abattre toute législation, toute conception, toute tradition qui s'oppose à la parole de Dieu, le Saint-Livre, la Sainte Bible, l'émission qui ose débattre, combattre et abattre toute théorie, toute philosophie, toute idéologie, toute doctrine qui, au nom des œuvres du diable, au nom des projets diaboliques, au nom du monde invisible, qui s'attaque à la sainteté de Dieu, qui s'attaque à la souveraineté de Dieu sur l'univers, qui s'attaque à la seigneurie de Jésus-Christ sur son Église. L'émission Causer l'Église, yon émission kap goumen, yon émission kap bataille pour Bible a triomphé en dans l'Église. L'Église la jodi a qui devant yon dilemme. L'Église la jodi a qui devant chimen. L'Église la gon choix pour le faire jodi a. L'Église la gon position pour le prendre jodi a. L'Église la gon décision. L'Église la pa ka nan roule m debo encore. L'Église la pa ka et à la froid et chaud et on l'el chaud, on l'el fret encore. L'Église la capable, li pa capable. L'Église la pa ka écouter en même temps que Bible nan mel pour la kembe doctrine des hommes nan mel. En même temps que Bible nan mel pour la kembe principe des hommes nan mel. En même temps que Bible nan mel pour la kembe tradition des hommes nan mel. L'Église pa ka kembe la loi de Dieu et la loi des hommes, les principes de Dieu, les principes divins et les principes humains. L'Église la jodi a gon décision pour le prendre. La décision sera ka
capitale. La décision sera fatale. La décision sera écoutée d'une manière ou d'une autre absolue, catégorique et radicale. C'est une décision claire, une décision explicite. Je dis à folle église là qu'on est seul dans l'évangile, est seul pas dans l'évangile. Frère Paul écrit à chrétiens Galatiens pour dire éprouvez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Font examen de conscience, font analyse, font introspection. Faut camper devant le miroir de la parole, faut camper devant le tribunal de la Bible. Pour nous, est-ce que c'est l'évangile n'a fait ou bien est-ce que nous pas fait l'évangile? L'Église a un choix pour le faire jeudi à là. L'Organisation des Nations Unies prend position par lui-même. Il prend la face, mon Dieu. Le gouvernement haïtien prend position par déjà. Il prend la face, mon Dieu. Les gouvernements humains, les structures étatiques des différents pays, elles se positionnent au jour le jour, elles se positionnent jour après jour, elles se positionnent journellement. Je dis à l'église qu'un mot parle pour le dire. Je dis à l'église qu'une décision parle pour le prendre. Je dis à l'église qu'une opinion parle pour l'afficher. L'église doit s'exprimer clairement. Oui ou non, est-ce que l'ab du côté de Babylone la grande ou est-ce que l'ab du côté du Saint-Esprit de Dieu? Nous vivons l'ère apocalyptique, nous vivons les derniers jours, nous vivons les derniers temps. La période que nous vivons est celle dont l'apôtre Paul avait annoncé en 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. Ça veut dire dans fin temps, les hommes sont égoïstes, ils sont fanfarons. Les hommes sont blasphémateurs, ils sont calomniateurs, ils n'ont pas mis de l'argent. Ils sont ingrats, ils sont irreligieux, ils sont insensibles. Ça veut dire qu'ils sont déloyaux, ils sont fanfarons, ils sont hautains, ils sont arrogants. Même avec l'éternel, ils sont impertinentieux. L'apôtre Paul écrit pour le dire, ils ont pire aimé le plaisir parce que Dieu amène. Il a primé le plaisir sexuel parce que Dieu amène. Il a primé le plaisir sportif, le plaisir musical parce que Dieu amène. L'apôtre Paul l'avait déjà dit, l'avait déjà écrit pour cette apocalyptique, pour cette ère apocalyptique, pour cette période apocalyptique. Nous vivons les derniers jours. Les hommes prouvent une fois de plus qu'ils aiment le plaisir que Dieu. Même dans l'église, le plaisir est aimé que Dieu. Même dans l'église, le plaisir Chanel est aimé beaucoup plus que la présence de Dieu. Le plaisir Chanel est aimé beaucoup plus que la parole de Dieu. Le plaisir Chanel est aimé beaucoup plus que la volonté de Dieu. Même dans l'église, prophétie accomplie. Même dans l'église, parole accomplie. Même dans l'église, message l'a accompli. Les hommes pire, mais le plaisir passé Dieu. Si en 2 Timothée 3, 1 à 5, frère Paul nous a parlé de la fin des temps, mais l'apôtre Jean, quant à lui, il nous a parlé de cette période que Apocalypse 17 et 18 présentait comme étant la période de la Babylonie la Grande. Cette période où il est clairement dit, en Apocalypse 17, verset 1 à 3, tous les hommes de la terre se sont enivrés du vin de Babylone la Grande. Cette femme assise sur la bête avec les sept têtes et les dix cornes. Cette femme qui s'allie, qui fait alliance avec les rois de la terre, les gouvernements de la terre, les dix rois. Symbolisme de la plénitude du pouvoir politique. Amen. Les dix rois qui symbolisent tous les royaumes des hommes, tous les gouvernements humains, tous les pouvoirs terrestres. Le chiffre 10 de la plénitude. Les dix rois qui symbolisent l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Union Européenne, l'Organisation des États Américains, l'Union Africaine, etc. Ces dix rois qui symbolisent la totalité du pouvoir politique qui est pour faire alliance très bientôt avec la bête qui monte de la mer en Apocalypse chapitre 13, la bête qui monte de la terre en Apocalypse chapitre 13, les deux bêtes qui vont dominer le monde sous la puissance visible, concrète, manifeste et expressive de dragon ancien, à savoir le Satan, le diable. Je dis à l'église à mon position pour le prendre. Est-ce que la parole lignée à ce projet apostat de la fin des temps, ce projet d'unification mondiale contre Dieu,
ce projet d'unification générale, universelle contre Dieu, ou bien est-ce que l'Église là a suivi les témoins d'autrefois, amen. Est-ce que l'Église là a suivi Étienne, amen. Est-ce que l'a suivi Paul, Pierre, Silas, amen. Est-ce que l'a pris route Polycarp, Polycrate là, route Ignace d'Antioche là, route Ponticus là, route Potter, route Blondine, félicité perpétua. Est-ce que l'Église a pris route Shadrach, Meshach, Abednego, route Daniel là, route Joseph là, route Samuel là, ou bien est-ce que le praler, écoutez dans lignée, dans sens, est-ce que l'a suivi courant Babylone la grande là? L'apôtre Jean prophétisait pour dire, les rois de la terre qui feront alliance avec la bête qui monte de la mer en Apocalypse chapitre 13 verset 1 à 7, l'antéchrist, qui fait alliance tout avec la bête qui monte de la terre, Apocalypse chapitre 13 verset 11 à 17, 18, le faux prophète, le chef de la religion mondiale. Serviteur a écrit dans Apocalypse 17 et 18 pour dire, ils ont tous le même projet. Ils ont tous le même dessin, ils ont tous le même objectif, ils ont tous le même but et objectif là par l'autre bagaille, projet à par l'autre bagaille, dessin à par l'autre bagaille, finalité à par l'autre bagaille, opposer la créature de la création, opposer l'univers, opposer l'espèce humaine, opposer l'homme, opposer le monde entier au Dieu créateur. C'est ça qu'a réglé là. C'est ça qu'a fait là, c'est ça qu'a planifié là. Encore une fois, l'apôtre Paul est clair, le mystère de l'iniquité agit déjà. Pendant que l'apôtre Paul a décrit la venue de l'impie de l'Apocalypse chapitre 13, en 2 Thessaloniciens 2 verset 1 à 13, pendant que frère Paul a fait râler sous grande tribulation pour arriver, pendant que frère Paul a fait râler sur Antéchrist là, le chef politique du monde qui va régner avant Christ, avant le règne millénaire de Jésus-Christ. Pendant que frère Paul a fait râler sur ce projet de mondialisation, de planétisation, de globalisation, ce projet d'unification de la fin des temps contre le Christ, contre Dieu et son règne, contre l'église de Dieu, la véritable église de Jésus-Christ. Pendant que frère Paul a fait râler sur vini Antéchrist là, qui vient pour fête après enlèvement l'église là, frère Paul écrit pour dire, mais ça nous besoin qu'on ait, pendant Antéchrist là pour venir, mais le mystère de l'iniquité agit déjà. L'apôtre Paul l'appelle mystère de l'iniquité parce que ceux qui sont sans intelligence spirituelle ne peuvent pas discerner la même. L'apôtre Paul relève le mystère de l'iniquité parce que les gens qui n'ont pas d'entendement évangélique ne peuvent pas discerner la même. L'apôtre Paul relève le mystère de l'iniquité parce que selon la parole de Dieu, les gens qui n'ont pas de conscience chrétienne, qui n'ont pas de connaissance parole de Dieu, qui n'ont pas d'intelligence spirituelle, qui n'ont pas de discernement d'esprit, bon Dieu, la caillou, ils ne peuvent pas capable de saisir, ils ne peuvent pas discerner, ils ne peuvent pas comprendre. Pendant le mystère iniquité a agi, pendant que le homme diable a tabli, pendant que la Trinité satanique là, écoutez, a défilé, même ça fait manger au bras réglé, ça fait boire au bras réglé, ça fait pécher à réglé, yo fait caille dans fornication pendant que l'église pour l'enlever, yo fait caille dans masturbation pendant que l'église pour l'enlever, yo fait caille dans corruption, yo fait caille dans prostitution pendant que l'église pour l'enlever, yo fait caille dans compromission avec le monde, amen. Yo fait caille dans compromission avec l'état, amen. Yo fait caille dans compromission avec les œuvres de la chair, fait caille dans compromission avec les plaisirs de ce monde, yo fait caille dans compromission avec les vanités de ce siècle pendant que l'église pour l'enlever. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Frère Paul dit avant le pas être clair, il faut que celui qui le retient ait disparu et ceux qui le retient. Frère Paul dit qu'il y a deux événements qui sont pour arriver avant Antéchrist la table du gouvernement à clé sous la terre. Il y a deux événements pour arriver avant que le projet de religion mondiale nourri depuis 1810, rêvé par le Conseil de sécurité de l'ONU depuis 1991, projet que Conseil œcuménique des églises là initié en 1948, projet que Vatican a pris la donne à fond depuis le pape Jean XXIII avec la création du secrétariat pour l'unité des chrétiens en 1963. Avant que chef religion mondiale, le faux prophète, qui peut faire mon coin dans Antéchrist là, qui peut mettre en place le gouvernement mondial en bas contrôle, en bas domination diable là, laisse le monde entier, pas pour pouvoir Satan d'une manière spirituelle seulement, ni pas pour pouvoir Satan d'une manière abstraite seulement, mais à clair, concrètement, nous verrons la manifestation de l'impie, nous verrons la manifestation du prince de ce monde de ténèbres, nous verrons la manifestation du monde invisible sur la terre. Avant même que ces événements arrivent, frère Paul dit, il faut que celui qui le retient disparu, à savoir le Saint-Esprit. Et il faut que ceux qui le retient, l'enlèvement de l'église, il faut l'église d'aller à l'école.
pendant que les prophéties bibliques s'accomplissent, pendant que nous vivons les temps eschatologiques, les temps apocalyptiques, pendant que nous vivons les derniers jours, ces jours dont le prophète Joël avait parlé, nous vivons les derniers jours, ces jours dont le prophète Esaïe avait parlé, nous vivons les derniers jours, ces jours que le prophète Amos, le prophète Osée, le prophète Daniel avait parlé, ces jours qui ont débuté depuis la renaissance de l'État d'Israël le 13 mai 1948, ces jours qui ont commencé depuis que Israël tourne en nation après 2000 ans de dispersion en 1948, pendant que ces prophéties s'accomplissent. Pendant que nous vivons les derniers jours, pendant que nous vivons les temps apocalyptiques, l'église fait carré dans dormi, l'église se vire la vire bon, l'église se baille la baille dans dormi, l'église se vend la prendre dans dormi, l'église se vision la faire, mais qui prend le pouvoir politique en Haïti, l'église se dans rêve lié, l'église qui prend l'entendre avec l'État, l'église est cabicha la cabicha, il dormi la dormi, et l'église prend aller à un deuxième sommeil. Pendant que nous vivons l'état apocalyptique, l'église l'a assommée spirituellement, l'église l'a gaga spirituellement, l'église l'a dobi spirituellement, et c'est évident, parce que Apocalypse chapitre 17, 1 à 3 dit, c'est du vin de l'impudicité de Babylone la Grande, ce projet apostat, ce projet comme l'a si bien dit, comme l'a si bien discerné le théologien haïtien, le pasteur Guito Géral de l'église de Dieu de la prophétie, pasteur Guito Géral, les périodes ça, la grande période de l'apostat, Asie finale, où toutes les nations amènent, où tous les gouvernements amènent, où toutes les religions amènent, s'entendront, vont s'entendre, vont s'unir contre le Christ, contre Dieu et son oin. L'apôtre Paul dit, en fin de temps, les hommes appirent mais le plaisir parce que Dieu. Il y a une apparence, moun qui a servi mon Dieu, nos leaders protestants, nos seuls frères de nos églises. Il y a une apparence monde qui a servi bon Dieu. Nos sectes religieuses, nos dénominations religieuses, nos congrégations religieuses. Il y a une apparence monde qui a servi bon Dieu. Il y a la prière tant que monde qui a servi bon Dieu. Il y a adoré tant que monde qui a servi bon Dieu. De Timothée 3, verset 5. Il y a l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Il y a une apparence pour nous qui a servi mon Dieu. L'homme garde ce Seigneur, l'homme garde veille de nuit, l'homme garde jeûne, l'homme garde prières, l'homme garde messages, l'homme garde prédications, l'homme garde enseignements. Il y a une apparence pour nous qui a servi mon Dieu. Mais il y a premier, ça qui fait force. Piété ya, il y a premier ça qui fait force servi bon Dieu ya, il y a premier ça qui fait force l'évangile là, il y a premier ça qui fait force la prière là, force jeûne, il y a premier ça qui fait force en vrai christianisme là. Vous êtes le 106.5 FM stéréo, la radio télé Évolution Inter, la radio des radios. C'est l'heure de la 707e édition de l'émission Causer l'Église, une émission qui dénonce l'apostasie de la fin des temps, une émission qui dénonce les préparatifs babyloniens, les préparations babyloniennes, les dispositifs babyloniens, les dispositions babyloniennes tendant vers l'unification de la fin des temps, tendant vers l'apostasie finale et totale des hommes contre Dieu, tendant aussi vers l'apostasie de l'Église. L'apôtre Paul dit à pire, mais le plaisir parce que Dieu. Et ça fait tous les interdits de Dieu seront abolis. Amen. Et ça fait tous les interdits de Dieu seront dénoncés par ses hommes, par ses chefs, par ses gouvernements, par ses rois, par ses autorités, par ses élites. Les affaires intellectuelles, vous prenez tête ensemble, philosophes, grands ex-savants, professeurs universitaires, vous prenez un pile belle logique qui prend le fait, amen, un pile belle raisonnement, vous prenez fait, un pile belle approche, et vous regardez l'approche, vous voyez, après vous fondez intellectuellement, vous regardez l'analyse, vous fondez scientifiquement, vous regardez le loi qui a voté, décret, loi hétéro, disposition, vous après une certaine sagesse là-dedans, mes frères Jacques Guetta dit à nos autres disciples de Jésus-Christ, amen, frère Jacques Guetta dit à nos autres chrétiens dignes du vrai christianisme, amen. Frère Jacques a dit à nous chrétiens évangéliques, chrétiens fondamentalistes. Frère Jacques a dit à nous-mêmes qui croyons en Bible, les serviteurs de Dieu, les défenseurs des droits de Dieu, amen. Les défenseurs de la foi chrétienne, les défenseurs de l'évangile de Jésus-Christ. Frère Jacques a dit nous la sagesse de ce monde, qu'en soit sagesse liée à la sagesse du monde est diabolique, chanel et démoniaque. Toute belle sagesse nous est inspirée du diable, amen. Toute belle sagesse nous est inspirée de Baka, amen. Nous est inspirée des démons, amen. Voilà pourquoi il est temps que l'église se positionne.
L'église là a un choix pour le faire aujourd'hui. L'église là devant un dilemme. C'est soit l'église continue à jouir, ça l'a joué, mais compromettre l'évangile là, ou bien l'église accepte de prendre chimer la croix. Ou bien l'église accepte de prendre chimer Golgotha. Par fidélité à l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Et soit l'église accepte d'écouter, lui toujours blade sous blade ça avec l'État. Tout blade sous blade ça avec le monde. Ou bien je dis à l'église là, dit tête li, je dis à la. La voix du Seigneur m'appelle. Lui dit me prend croix pour me suivre. Li. Il faut être méprisé. Savoir être mal jugé. Endurer l'injure même. Du monde être méprisé. Je dis à l'église là, bon choix pour le faire. Oui, perdre sa propre vie. Consentir à n'être rien. N'avoir que le seul envie. Mais Jésus le seul bien. Je dis à l'église là, bon choix pour le faire. Il faut quitter ce qu'on aime. Savoir être mal jugé. Endurer les jours même, du monde être méprisé. L'église là a un choix pour le faire, vous dire là. L'église là a un choix pour le faire. Soit elle suivre les témoins d'autrefois, ou même suivre les blasphémateurs d'aujourd'hui. Soit elle suivre les témoins d'autrefois, ou bien suivre les calomniateurs d'aujourd'hui. Soit elle suivre les témoins d'autrefois, ou bien suivre, écouter les apostats d'aujourd'hui, les idolâtres d'aujourd'hui, les babyloniens d'aujourd'hui, les jézabéléens d'aujourd'hui, les dambala d'aujourd'hui, les erzuli d'aujourd'hui, l'église a un choix pour le faire. Isaïe chapitre 22 verset 11 à 15. Jésus-Christ par la plume et par la bouche de l'apôtre Jean déclare pour dire que celui qui est injuste soit encore injuste, mais que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Christ dit, Jean Bralvini, je viens bientôt. Ma rétribution avec moi. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je viens bientôt, l'apôtre Jean. Oh, mais inquiète-toi. N'est-ce pas fait débat, fait analyse. En pile temps passé, siècle passé, millénaire passé. Beaucoup vini. Oui, vini en son fab. Vini en son devinette. Vini en son blague. Vini en son parole en pile. Son palable. Vini en son parolé. N'a point doute, l'apôtre Jean. Je viens bientôt. Et ça, pendant que le monde a douté du retour de Jésus-Christ. Pendant que les intellectuels se doutent du retour de Jésus-Christ. Pendant que les philosophes minimisent le retour de Jésus-Christ, l'église là, après le chapitre 22, les derniers versets, dit « Amen, viens, viens Seigneur Jésus. » Je dis à l'église là, on a un choix pour le faire. Christ dit « Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Christ dit que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est pour moi qui prend chimère et rébellion contre mon Dieu, n'a point problème de prendre chimère et rébellion. Que celui qui se souille encore, moun kap souye tête yo dans le péché, moun kap souye tête yo dans l'abomination, moun kap souye tête yo dans la corruption, dans la prostitution, moun kap souye tête yo dans la tradition des hommes, dans la conception des hommes, que yo souye tête yo encore. Mais Christ dit tout, c'est pour moun kap la prière, continue la prière, amen. C'est pour moun kap jeûner, continue jeûner, amen. Et moun kap pratiquer la parole de Dieu, continue pratiquer la parole de Dieu, amen. C'est pour moun qui fidèle à l'évangile, continue fidèle à l'évangile, en dépit de tout, malgré tout, au prix de qui que ce soit, de quoi que ce soit, continue faire l'évangile, continuez à intercéder, continuez à chercher grâce, mon Dieu, continuez à purifier nom nous, continuez à sanctifier vie nous, je viens bientôt, ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Apocalypse chapitre 22, verset 11-15. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Mais parole l'a dit tout, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin de avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes. Écoutez, dans la ville, Christ dit, je viens bientôt. L'église l'a un choix pour le faire. Est-ce que la fouille tête linette? Est-ce que la prend fourré à tête linette? Est-ce que la perdit tête linette? N'est que celui qui est souillé se souille encore. Hein? Est-ce que la campé n'est que celui qui pratique l'injustice pratique encore la justice là? Ou bien est-ce que la casse tête tournée pour suivre les témoins d'autrefois, pour l'adopter, pour l'épouser vrai l'évangile là, pour l'entrer parmi ceux-là qui se sanctifient et qui vont se sanctifier encore? Parmi ceux-là qui pratiquent la justice, qui vont davantage pratiquer la justice, prophétie pas accomplie, n'a vu l'état apocalyptique, nous dans période fin temps, pour l'église là, tu connais 60 moun dans 500 moun blanc, tu connais 60 qui viennent dans yon, qu'on y a ces 12 moun ni, hein? Pour que 80 moun qui dans l'étude là dans 400 moun, qu'on y a ces 17 moun qui viennent dans l'étude là, pour l'église là, faire des nuits à 8 moun,
pour l'église a fait une prière à 12 moun à 15 moun, tout le monde chita la caillou devant téléviseur, tout le monde sur internet, tout le monde sur Twitter, tout le monde sur Instagram, tout le monde sur Facebook, tout le monde sur WhatsApp, l'église a lagué sur YouTube, l'église a écouté avec chanson de la brigle, avec sport américain de la brigle, avec chanson de football de la brigle, tempête contre Baltimore, Baltimore contre dynamite, dynamite contre tempête, l'église a fait ligue des champions de la brigle, a fait coupe américaine jeune frère à brigle, a fait coupe américaine, a fait feuilleton jeune dame à brigle, porte l'église la route fermée, n'a pas moun cap sanctifié, n'a pas moun cap consacré, n'a pas moun cap intercédé, même non moun yo pas intéressé yo, voix pour nom l'autre moun cap périsse. Crise m'a vini et chaque grand monde dans l'église là une position pour prendre. Chaque grand monde dans l'église a une décision pour prendre. Est-ce que l'église a plaqué col n'a fait souiller net dans religion les hommes non? N'a fait souiller net dans parole les hommes non? N'a fait souiller net dans législation les hommes non? N'a fait souiller net dans mariage à l'état mariage à mode là? Ou est-ce que l'église là kounya là la gueule de la prière, la gueule de la parole de Dieu pour cet esprit joindre l'église là pour faire grâce, pour l'église la sanctifier, pour l'église la purifier, pour l'église la régénérer, pour l'église la consacrer dans la parole de Dieu, pour l'église la sanctifier dans la prière, pour l'église la pratiquer le vrai et le pur évangile de Jésus-Christ? Nous sommes sur le 106.5 FM stéréo, la radio télé Évolution Inter, déjà à l'heure de la 707e édition de l'émission Causer l'Église, l'émission qui dit la vérité de Dieu, rien que la vérité de Dieu, toute la vérité de Dieu. L'émission qui dénonce les hérésies de la théologie, les apostasies de l'Église et les hypocrisies religieuses. L'émission qui ose débattre, combattre et abattre toute connaissance, toute science, tout savoir qui s'oppose à la parole de Dieu, à la connaissance de Dieu. Une émission qui a boumé, une émission qui a bataille pour Bible et Bible a seulement triomphé en dans l'église. Seigneur, montrez
après ça, moi dit et fait parole moi yo tout ce que yo guide Seigneur pour me guider mon mauvais chemin, bam manger, nga abab noui, mon ngangou, la banne, bam la paix. Capable parler à tous avec tout le monde qui en détresse ou même qui bon moins belle parole guidez Seigneur guide me mon bon mauvais chemin bam manger bon bam nourri mon ngangou la mano moins chant ou plein Seigneur Jouka Kem Gaba de Bode pour raconter grand amour penser et non belle parole guide Seigneur pour guider bien mon bon mauvais chemin bon manger bon capable nous mon yo qui gangou Jésus la mano ak moi mais moi Seigneur conduis-moi tout côté où voulez j'entends moi ouais fasse béni partager gloire à joie guide Seigneur guide bien mon bon mauvais chemin bon manger gabab noui mon yo ngangou
Je vais vous bénir dans toute la porte. Alléluia. Je vous bénis. Sur le 106.5 FM Stéo, la radio télé Évolution Interne, nous sommes à l'heure de la 706e édition, la 707e édition de l'émission Causer l'Église, émission Cap Bataille, émission Cap Goumé, émission Cap Lutter pour Bible à triompher en dans l'Église. L'Église, je dis à la qui fait face avec plusieurs formes, plusieurs sortes d'adversité. L'Église la prend coup dans le monde là. L'Église la prend coup dans le monde, les listes là sont des hommes, les lois des peuples qui s'opposent à l'évangile de Jésus-Christ. L'Église et Bible la prend coup. Bible la prend coup, écoutez dans la société, il y a un modèle l'école qui a fait là, un modèle université qui a fait là. C'est chaque jour Bible la prend coup. L'Église la prend coup un peu partout dans les religions, avec les dogmes qui sont enseignés, les doctrines qui sont enseignées, les principes qui sont enseignés. Nal nan credo, nal nan code discipline mission yo Bible a prend coup. Pendant que Bible a prend coup en dans l'ONU, Bible a prend coup en dans gouvernement département d'état des États-Unis d'Amérique, Bible a prend coup à travers les royaumes terrestres, à travers les gouvernements humains, les parlements des hommes, les parlements des peuples votent des lois. Écoutez, côté Bible a prend coup, ce qui est triste, l'Église pour sa part qui t'a de camper pour la défendre l'Église, défendre Bible là. L'Église qui t'a de camper pour la prêcher la parole de Dieu. L'Église qui t'a de camper pour la défendre les intérêts de Dieu, pour la défendre la parole de Dieu, pour la défendre la sainte écriture de Dieu. Mais l'Église là lui-même aujourd'hui a qui mettait à monde là. Mais l'Église là qui mettait à société, mais l'Église là qui mettait à l'État, mais l'Église là qui mettait à la mission, à la religion, l'Église là bon côté parle tout, la Bible là, coup l'Église là vient un adversaire pour la Bible. Déjà en temps régulier, l'Église n'avait pas fait choix de pratiquer la parole de Dieu. En temps normal, l'Église n'a jamais fait le choix de pratiquer la sainte doctrine de Jésus-Christ, le pur évangile de la Bible. Pendant que l'Église ne pratique pas la parole de Dieu en temps normal, déjà, maintenant, avec tout ce qui se fait dans le monde, tout ce qui est préparé, tout ce qui est disposé, tout ce qui est planifié, cherchez l'Église là, nos Powell. Chercher l'Église là n'est pas joindre. L'Église ne fait que s'allier. L'Église ne fait que se conformer avec ses apostasies, avec ses blasphèmes qui insultent la dignité de Dieu, qui insultent la sainteté de Dieu. La 707e édition de l'émission Causer l'Église sur la radio-télé Évolution Inter, le 106.5 FM Stéréo, la radio des radios. La pensée théologique de cette édition, la pensée théologique de la 707e édition de l'émission Causer l'Église. Nous devons cette pensée théologique au précurseur anglais de la réforme protestante, au professeur d'université d'Oxford qui vivait au 14e siècle.
là, n'a parlé de John Wycliffe. John Wycliffe est philosophe, théologien, écrivain, traducteur. John Wycliffe qui c'est une moun yo considéré comme précurseur réforme là, une Jean-Baptiste réforme protestante là au 16e siècle. John Wycliffe qui écrivait beaucoup pour dénoncer les abus du clergé catholique pendant le Moyen Âge, pour dénoncer les hérésies catholiques pendant le Moyen Âge, pour dénoncer les fausses doctrines catholiques, les abominations, les corruptions, les prostitutions de l'Église catholique romaine pendant le Moyen Âge. John Wycliffe qui déclarait à un certain moment, l'Église doit se repentir, l'Église doit se convertir. Mais pas de doute, Wycliffe vivait le Moyen Âge. Wycliffe t'a vive 13e, 14e siècle. D'ailleurs, il est né vers les années 1330. Il est décédé le 31 décembre 1384. Donc, à l'époque de Wycliffe, l'Église du Moyen Âge a été prédominée par le catholicisme. Généralement, c'était l'Église officielle, c'était l'Église la plus répandue, c'était en quelque sorte la seule Église autorisée. John Wycliffe, qui c'est un leader catholique d'ailleurs, un théologien catholique, qui a été grandi dans le catholicisme, mais dans ses recherches intellectuelles, dans ses recherches spirituelles, étudiant de la Bible, théologien de son état, John Wycliffe, professeur à l'université d'Oxford, allait se rendre compte que l'Église est corrompue, allait se rendre compte que l'Église s'est prostituée au cours des siècles, que l'Église là n'a corruption, l'Église là n'a abomination, n'a cupidité et impudité de toutes sortes. L'Église a exploité les faibles, a exploité les pauvres, a exploité les veuves, a exploité les masses. Wycliffe, professeur d'université, Wycliffe, prédicateur de l'évangile, croit qu'il était un ministre de l'Église catholique en Angleterre. Wycliffe, à travers ses écrits, Wycliffe, à travers ses prédications, Wycliffe, à travers ses enseignements, pourrait dénoncer l'obscurantisme ecclésiastique, mais notamment la corruption du clergé catholique. Il a été interpellé à maintes reprises, il a été jugé pour ses écrits, pour ses prédications. À maintes reprises, il a été condamné, mais libéré après, jusqu'au moment où Wycliffe sera déclaré hérétique par les autorités catholiques romaines. C'était le 4 mai 1415. Il va le considérer ses écrits, il va le considérer écouter ses prédications, ses enseignements comme étant des messages, comme étant des enseignements hérétiques. Il était déjà décédé en 1414, mais le 4 mai 1415, il était déjà décédé depuis 1384, depuis en décembre, 31 décembre 1384, il est décédé. Mais même après sa mort, on l'a jugé, on l'a condamné. Alors, comme Wycliffe vivait le 14e siècle, il dénonçait la corruption du clergé catholique. Mais n'ayez pas de doute, tous les réformateurs protestants, s'ils étaient encore vivants, des hommes comme Jean Hus, le réformateur, le pré-réformateur tchèque, d'ailleurs, qui sera lui aussi jugé, condamné et brûlé vivant pour avoir supporté les idées de Wycliffe. Des hommes comme Jérôme Savonarole, qui a été emprisonné, pendu par l'Inquisition catholique, tous ces hommes en Italie, tous ces hommes-là, s'ils étaient encore vivants, Morganti Jodian, ils ont campé face aux dérives de l'Église protestante. Le protestantisme sera né dès le 16e siècle. D'ailleurs, tous les réformateurs protestants ont suivi les traces de ces hommes, qu'on appelle les précurseurs de la réforme, les hommes comme Jean Hus, Antico Slovaki, Jérôme Savonarole en Italie, John Wycliffe n'a pas allé à là en Angleterre, il y avait Pierre Valdo en France, etc. Les réformateurs protestants comme Martin Luther, Luc Zwingli, Jean Calvin et autres vont suivre les traces de ces hommes. Voilà pourquoi ces hommes-là sont appelés précurseurs de la réforme, tels que John Wycliffe. Donc, face à l'Église John Wycliffe, t'es roué à l'époque là, face à l'Église catholique qui grandit là-dedans, il a gardé corruption, modèle prostitution, modèle malversation, modèle, écoutez, compromis sur l'Église là. Wycliffe fait l'écrit pour dire, écoutez, l'Église doit se repentir, l'Église doit se convertir.
Mais soit les œuvres des protestants, des leaders protestants, des théologiens protestants dits de ce nom aujourd'hui, qui c'est Alfred de Gasparin, Jules Marcel Nicole en France, qui c'est Alfred Coenan, qui c'est des hommes comme Paul Tillich, des hommes comme Karl Barth, des théologiens comme, écoutez, Dietrich Bonhoeffer, des théologiens protestants, Tancou René Pache, etc., comme John Stott, ils ont tout aujourd'hui, il faut une nouvelle réforme de la réforme. C'est-à-dire, les leaders protestants éclairés, les leaders protestants perspicaces, les théologiens protestants qui se respectent, qui sont dignes d'être appelés protestants, qui sont dignes d'être appelés théologiens, qui sont dignes d'être appelés leaders, écrivains chrétiens, à travers leurs œuvres aujourd'hui, dénoncent la corruption du protestantisme, dénoncent la prostitution de l'Église protestante, dénoncent les compromissions de nos missions, les compromissions de nos sectes protestantes, de nos entités protestantes. Voilà pourquoi, si autrefois, pour Wycliffe, l'Église catholique avait à se convertir, avait à se repentir, un pile théologien protestant aujourd'hui, il faut une nouvelle réforme de la réforme, en ce sens que le protestantisme s'est dévié, la réforme s'est arrêtée en route, et il y a aujourd'hui ce que nous autres nous baptisons, la catholicisation du protestantisme, un protestantisme catholisé qui est devenu plus catholique que le catholicisme lui-même, un protestantisme aujourd'hui qui s'égare loin de la vérité de Dieu, loin de la vérité biblique. Nous sommes sur le 106.5 FM stéréo, la radio télé Évolution Inter, à l'heure de la 707e édition de l'émission Causer l'Église, la pensée théologique de la 707e édition de votre émission que nous devons au célèbre théologien protestant, précurseur de la réforme protestante, John Wycliffe, professeur d'université de l'université Oxford en Angleterre. Wycliffe qui écrit pour dire: l'Église doit se repentir, l'Église doit se convertir. La 707e édition de votre émission, c'est l'heure de la rubrique Sabib dit, Sabib pas dit. Annoncer toutes les vérités.
Nous sommes sur le 106.5 FM Stéréo, la radio télé Évolution Inter, à l'heure de la 707e édition de l'émission Causer l'Église. Salutations spéciales à tout le monde qui branche nous sur page Facebook Louis Chalerac, à tous les amis qui, de près ou de loin, en Haïti comme à l'étranger, qui suivent la 707e édition. Nous saluons tout frère Valdo. Frère Valdo qui sous page Facebook là, mais frère Valdo hier que nous avons chance faire connaissance avec dans cadre d'inauguration implantation club biblique Villa là, frère Valdo que bon Dieu sorti loin avec hein, son ancien et bon corps, son ancien Ougan qui convertit au christianisme, qui convertit à l'église et Dieu fait grâce que le joint à bon l'évangile cap goumen jodi dans l'église pour Bible a triomphant dans l'église hier frère Valdo te sorti l'Esther pour rentrer Villa vinn participer dans lancement club biblique Villa là mais vraiment pile jeune était présent dans lancement yon quarantaine de jeunes qui constituent club biblique ça nous salue frère Dolens et frère Gerson les deux fondateurs les deux initiateurs de ce club biblique mettez-moi rappeler que après-midi on a lancé club biblique Babla ou Tsemak et pasteur Eustache encore nous salue nous salue tous les membres de la Ligue des enseignants de l'émission Causer l'Église qui ont même été présents hier avec nous en nous dit dans implantation dans lancement dans inauguration club biblique Villa Lamb c'est Ligue enseignant ensemble avec nous jeudi à tout pour lancer club biblique Babla Haut Saint-Marc on a ensemble demain si Dieu veut encore une fois dans lancement club biblique Bolivia salut pasteur Grégory qui c'est initiateur fondateur club biblique Bolivia mais jeudi n'a du côté de Janton pour lancer club biblique Janton et vendredi si Dieu veut n'a pas sondé pour lancer club biblique Ponsondé am salut frère Salomon Janton et par et frère Manel silencieux dans Ponsondé n'a continuer bataille n'a continuer goumen n'a continuer lutter pour Bible à triomphant dans l'église il est temps d'étudier la Bible de connaître la parole de Dieu de pratiquer la parole de Dieu. Il n'y a pas de doute là-dessus, l'évangile pour nous faire à l'évangile baptiste, l'évangile pentecôtiste, l'évangile méthodiste, l'évangile luthéranisme, l'évangile calviniste, l'évangile méthodiste, l'évangile témoin Jéhovah, l'évangile adventiste. L'évangile pour nous faire, c'est l'évangile Bible et nous dit qu'on seule façon pour nous faire l'évangile est de pratiquer sa Bible, dit, de pratiquer sa Bible enseignée, de pratiquer sa Bible prêchée. Pratiquer sa Bible dit, ou à faire l'évangile, ou pas pratiquer sa Bible dit, ou pas faire l'évangile. Frère Valdo est ton plaisir, il aime débénir en pile dans titan de faire parler à pour nous lier connaissance, continuer bataille, continuer goumen. Madame Lister, tu me salues sur Esther, cap côté nous dans grande dune. Moi salue tout frère Rémi Paul dans marchand de Saline cap bataille pour Bible triomphant dans l'église, cap sacrifier n'acheter document, cap sacrifier dans fouiller dans chercher connaissance pour prendre position pour Dieu. Désormais, il est temps que les hommes de Dieu se rassemblent.
Désormais, il est temps que les hommes de Dieu se rencontrent. Désormais, il est temps que les vrais ministres de l'Évangile, dignes du ministère de Dieu, s'associent. Il est temps que ceux-là qui n'ont jamais fléchi leurs genoux devant Baal, ceux-là qui n'ont pas accepté le décret, l'édit du roi Darius en Babylonie, moun qui pas d'accord avec le roi, roi Nebuchadnezzar, voté, yo. Il est temps que les hommes de Dieu qui ne tolèrent pas le roi Akazia dans sa quête de faux dieux, des hommes de Dieu comme Élie le prophète, il est temps qu'ils se rencontrent et qu'ils prennent position pour Dieu, qu'ils défendent les intérêts de Dieu, qu'ils défendent la parole de Dieu, qu'ils défendent la cause de Dieu, le royaume de Dieu. Il est temps que les hommes de Dieu s'associent, que les hommes de Dieu s'entendent pour pratiquer l'évangile et défendre l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes sur le 106.5 FM stéréo, la radio télé Évolution Inter, la radio des radios dont vous écoutez depuis Saint-Marc-Haïti, à l'heure de la 707e édition de l'émission Causer l'Église, la rubrique Sabib dit, Sabib pas dit. N'ap tourné jodi a sou approche moun ki kwe ou ka fè l'évangile men nan men ak moun ki pa fè l'évangile, moun ki kwe ou ka chèche bon Dieu men nan men a moun ki kwe ou ka pase bon Dieu nan bêtise, k'ap moke ou de Dieu. N'ap tourné sou approche sa moun ki kwe ou ka l'évangile, ou ka chrétien fè l'évangile nan n'importe l'église liye a, n'importe quel modèle assemblée, moun ki kwe ou ka gen vie de prière. Et puis moun ki li de l'église là, ou a envie de prier ou même. A dit m'pi nan bon Dieu ki berje m'nan, m'pi nan bon Dieu ki moun kap menem, m'pi nan bon Dieu ki moun kap. M'pi comprendre la parole de Dieu, m'pi comprendre l'évangile que moun kap fè étude l'église là. Moun ki kwa ka fè l'évangile ak radote, ak bêtise, ak bekeke, ak demacha, rakete, moun ki kwa l'église là son bing bang. A dit on brad sou brad ça, on mélimé l'homéléiste. Tout le monde met ensemble, peu importe notre vie, peu importe notre quotidien, peu importe nos malices cachées. Depuis nous ouvert d'espérance dans là, depuis nous ouvert des trois versets là, bon, attendez à la cymbale, bat là, nous commençons à pomper, puis à faire danser. Donc nous, c'est l'église. Gon approche démoniaquement démoniaque, diaboliquement diabolique, sataniquement satanique, que nous ne pouvons jamais suspendre, combattre, en pile théologien en CL. En pile pasteur prêchil, en pile l'église acceptil, mais au regard de la vérité de Dieu, devant le tribunal de la Bible, nous pas suspendre dénoncer après ça, comme c'est l'église là, tout le monde qui a associé ensemble, tout le monde qui a adoré ensemble, tout le monde qui a loué ensemble, tout le monde qui a pensé ensemble, quand soit vie monde dans ses bons problèmes, c'est Bible là qui dit, c'est Jésus qui dit, et bon Dieu qui dit, qui te blé grandi à livrer. Cette approche est antichrétienne. Cette approche est anti-biblique, anti-évangélique. On est qu'à tout faire l'église, l'église d'assemblée mélangée à livre, pas un problème. D'ailleurs, si pour n'aigre l'église pas de cagé livré la donne, yo même yon appelé l'église là même. Les gens sont confortable, yo à l'aise pour péchadeur leader l'église, yo péchadeur chita sous chez l'église, yo péchadeur abdiger l'église sans problème, parce que croit dans l'évangile ou les livrés. Et m'dou dit ça, tout pasteur qui a supporté l'évangile ou les livrés, et parce que lui-même ils ont livré. S'il pas te livré, il va pas jamais croire. Par au moins l'esprit de Dieu t'a fait lumière pour lui. S'il pas te livré, bon Dieu t'a fait grâce pour comprendre l'église là, c'est assemblée des saints. L'église là, c'est communauté des sauvés. L'église là, est congrégation des élus. L'église là, est monde bon Dieu. L'église pas gain place là-dedans, l'église pas gain espace là-dedans, l'église pas gain côté là-dedans pour pécheur venir ouvrir corps, pour pécheur caler corps, pour pécheur venir boire corps. On monde qui a gain vie, vous qui ne pas droite, on monde qui a gain vous qui n'avez envie de pécher, on monde qui a pourquoi considérer bon Dieu, les chita sous chaise là, les chita sous main là, n'a point problème les chita, la tente de la parole, l'esprit de toucher cœur lui, les régénérer, repentir, les vivre même l'église. Mais pas même l'église pour la pour la faux mamite. Li pas même l'église pour la tout mauvais compte mal taillé. Li pas même l'église pour la zéro tourner neuf. Li pas même l'église pour la combelan, pour la magro, pour la raquette. Li pas même l'église pour la faire l'argent dans mauvaises conditions. Li pas même l'église pour la mari moun, pour la madame moun. Li pas même l'église pour la péchadeur, pour la vie de péché, pour la manger l'argent pas si pas là, la directeur, la professeur, la inspecteur, la superviseur. Li pas même l'église pour la marcher coucher dans couchin dans cochon. Li pas même l'église pour vivre dans cabri, li pas vrai. Li pas vrai. Li pas même l'église pour la gaille paille.
Il va en l'église, écoutez, vous comment zoubou dans l'évangile là, il va comme ça. L'évangile est allé, il est diabolique, il est démoniaque, et nous comprenons ça que fait un pile théologien, mais l'évangile ça. Nous comprenons ça que fait un pile leader d'accord à l'évangile ça, un pile l'église dit l'évangile ça, parce que son évangile, si pas de gain, si pas de quoi la donne, il est même, il va pas dans l'église là même. Donc, plus aucun dans l'église là, plus aucun leader de l'église là, plus aucun ministre dans l'église là, plus aucun dieu de l'église là, plus aucun placement dans l'église là, il est obligé de couvrir l'église là qui est livrée en dedans. Dans le psaume 1er, la parole de Dieu nous dit au verset 6. Le psaume 1er, au verset 6, l'elfine dit bénédiction pour monde qui ne peut pas marcher n'importe côté, bénédiction pour monde qui ne peut pas chiter à n'importe côté, bénédiction pour monde qui ne peut pas camper n'importe côté, depuis l'eau est livrée par une place dans l'église là. Depuis l'eau est livrée, il n'y a pas de place dans l'église là. Texte là dit dans son premier verset 6, serviteur a écrit pour dire, serviteur David, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. L'église, c'est l'assemblée des justes. Le peuple de Dieu, qu'il soit vétérotestamentaire, qu'il soit néotestamentaire, qu'il soit le peuple de Sinaï, qu'il soit le peuple de Golgotha, amen. Qu'il soit le peuple de la loi, qu'il soit le peuple de la grâce, amen. Qu'il soit le peuple de Moïse, qu'il soit le peuple de Jésus, amen. Qu'il soit le peuple du judaïsme, qu'il soit le peuple du christianisme, amen. Qu'il soit le peuple de l'Ancien Testament, qu'il soit le peuple du Nouveau Testament, amen. Le peuple de Dieu, c'est l'assemblée des justes. Et comme c'est l'assemblée des justes, les méchants, les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Je dis à sous les pécheurs qui a prouvé qu'on y est pas arrivé, sous les pécheurs chap valé Saint-Sénan, on n'est pas arrivé yo. Sous un péché à Taïbanda, on n'est pas arrivé dans l'église là. Sous un péché comme en Zoublod, sous un péché à Gaïpaïa, sous un péché à Felimena, à Felimeno, on est dans l'église là, on n'est pas arrivé yo. Parce que nous n'avons pas l'assemblée des justes. Dès qu'il s'agit de l'assemblée des justes, amen, les pécheurs ne résistent point. L'église pas qu'à chercher mon Dieu. L'église pas qu'à diriger par des hommes de Dieu. L'église pas qu'à la consécration. L'église pas qu'à la sanctification pour pécheurs entrer pour la pouvecole. Ça qui nous arrive, on nomme un sanguinaire, un assassin criminel, tant que Jean-Bertrand Aristide, qui doit rentrer l'église de Dieu du centre et pour bénéficier à son chien. Ou des gars qui sont dans l'église là, ne campent à droite, ne campent à gauche, Aristide chita sous chien. Bah, si c'est l'esprit là, l'école de Dieu. Ou quand on va voir Joe, ou Jovenel Moïse, paraître là, dans Chalon, dans Bethesda, dans Marco, ou Jovenel Mikwa, parler. Et l'église de Dieu des radotes, l'église de Dieu des trafiateurs, des bêtisés, des rancés, des raquetés. Ou quand on va voir l'autre là, les mêmes se destins, paraître là, dans Chalon, dans là, ou le micro, ou le camp, il a parlé. Mais d'après la parole de Dieu, les pécheurs ne résistent pas de l'assemblée des justes. Les pécheurs entrent dans l'église, l'idée étale, Dieu lui l'ouvre sous étale, et il lui confesse ses péchés et demande à Jésus, à la croix, la réconcilier à mon Dieu, les repentir, les convertir. Dans Matthieu chapitre 13, Jésus-Christ raconte parabole semeur, blé à livrer. En plus, l'église parabole blé à livrer, dans Matthieu 13, nous dit, mais au pas li explication Christ bail. Les Christ fin raconter parabole là dans Matthieu chapitre 13, dans verset 36 à 40 41 42, Jésus-Christ expliquer parabole là. Nèg yo marche prêcher sous parabole blé à livrer, yo pas jamais li explication Christ bail là. Nèg yo a penser sous parabole là, yo pas jamais li explication Christ bail là. Nèg yo a marche faire commentaire sous parabole là, explication Christ bail là là, nèg yo pas jamais garder explication hein. Nèg a prêcher, Jésus dit qui te blé à livrer grand dans l'église et il capable faire séparation hein. Pourtant, n'est-ce pas jamais regarder qui sa crise dit sous parabole là. Crise dit bonne semence là. Blé à ce sont les fils de Dieu. Livré à ce sont les fils du diable. Bonne semence là. C'est la parole de Dieu. Et bien, il dit le champ où la bonne semence est semée. Le champ où la bonne semence le sima est là. Le champ c'est le monde. Amen. Christ dit au verset 36, 38, le verset 38 notamment, au verset 38 de Matthieu, du 13e chapitre de l'évangile de Matthieu, Christ dit, et champ c'est le monde, le champ n'est pas l'église. Si on dit à chef mission, on dit champ c'est l'église,
si on dit à théologien protestant dit chance à l'église, si on dit à pasteur de l'église blé à livrer yo qui ouais yo même yon dans l'église là, yo vinn croire que livrer gen place dans l'église là. Si on même yo prêcher livrer à blé à son dans l'église, Jésus met l'évangile là, Jésus met l'église là, il dit le champ c'est le monde. Le monde ici c'est le monde cosmique, le monde matériel, le monde physique, le monde na vivre là-dedans avec toutes ces nations, tous ces états, tous ces frontières, crise sous terre dans monde là, nous joignent petit bon Dieu yo. Dans le monde là tout, nous jouons petit Satan yo, et mais avant la fin du monde, gon tria qui pou fait là, gon sait pas ce pou fait là, le bon Dieu va exercer colère contre monde là, il va exercer jugement li, et mais les anges de Dieu vont se rassurer que l'église là fait d'abord amen. Les anges de Dieu vont se rassurer que l'église à les enfants de Dieu ne sont plus sur terre, amen. Il est ça, bon Dieu va exercer jugement là contre les hommes, contre les fils du diable, contre l'ivraie. L'ivraie et le blé sont dans le monde. L'ivraie et le blé ne sont pas dans l'église. Encore une fois, le psalmiste David, dans le premier psaume de la Bible, parmi les 150 psaumes de la Bible, dont il est l'auteur de la moitié des psaumes de la Bible, David dit, les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes. L'église va faire l'évangile et puis le maestro courra là pour gagner trois femmes, mais pas vrai. Deux maestro a gagné trois femmes, il va gagner. Quand on est qui passe l'église, il a gagné cinq femmes lui-même. De quoi jeune fille qui a fait soliste dans le groupe là, il a dans l'hôtel en cachette, il a le couche à panier, il a le bail de 52 poses de la pornographie où elle va gagner. Quand on est madame pasteur, il a gagné l'ex sous côté tout. Et ça qui passe là, oui. Diakone, ça dame missionnaire, la toupie maril tout. Les gens n'ont cachet, les gens semaine à l'ikaboule tétel. En yé que pas encore. Ananias en léa, Ananias en bas, c'est l'esprit pas rentré dans ça. L'église là, quand on pense au blood, l'esprit de l'église là, gaye paille. Donc l'église là, c'est blé à livre avec mélanger. Donc mon Dieu, pas rentré dans ça. En un comité discipline, c'est livré. En un comité central, c'est livré. En un corps pastoral, c'est livré. En un corps diaconat, c'est livré. Les jeunes qui viennent péché, c'est Ananias qui a jugé Saphira. C'est Saphira qui a mis discipline sur Ananias. C'est l'esprit, bon Dieu, pas entrer dans ça. Si vous voulez livrer, si vous livrez, vous avez une place dans l'église. Jusqu'à présent, Saphira a diaconé dans l'église. Ananias a évêque. Ananias a bishop. Il a trichop. Il a quadrichop. Il a quintichop. Donc, si vous êtes fiel, Ananias pété dans Actes chapitre 5, verset 1 à 13. Si vous êtes fiel, Saphira pété pour mentir au bail. On grain mentir. On grain mentir. Si je dis à qui chef mensonge dans l'église là, femme qui chef tripotaille l'église là, chef recel, c'est au pilier rempli l'église là, si femme qui chef l'andjiez l'église là, et le plus rempli dans l'église là, et pas l'église là, ça n'est pas ce qu'il dit. Quand des hommes de Dieu consacrés dans la prière, des hommes de Dieu consacrés dans la parole, à diriger l'assemblée, ministre dans l'église, pour nous d'avoir couvé péché dans l'église, jamais. L'Esprit de Dieu a révélé ça au prophète de l'église. L'Esprit de Dieu a communiqué ça au prophète de l'église. L'Esprit de Dieu a manifesté ça à clé. Et sous pas repenti, fiel ou a pété, jugement, mon Dieu a tombé sous. L'évangile blé a livré. Livré dans l'église là, son évangile qui diaboliquement diabolique, qui démoniaquement démoniaque, qui sataniquement satanique. Yo mama ni gen dispitit yo tout Pastor Neg la divorce le man yo tandel se Pastor Fè asim yo et tout bibli pizil se Pastor De toi moi l'installon boutique yo Pastor Yo
Vous êtes sur le 106.5 FM Stéo, la radio télé Évolution Inter. C'est la 707e édition de l'émission Causer l'Église, une édition à travers sa rubrique Sabib dit, Sabib pas dit, qui dénonce cette interprétation de la parabole du blé de l'ivraie. Andy Gomale, n'ego fait 4 ans en théologie pour yon fond moi dans la Bible. N'ego fait 4 ans après tu es théologie dans l'église protestante, mais beaucoup de gens prennent une année pour lire la Bible. Si vous avez tiré 4 chapitres par jour, ce qui les aurait coûté un quart d'heure, nous avons 96-15 minutes dans la journée. Nous avons 96-15 minutes dans la journée de 24 heures. Si vous prenez 15 minutes pour lire la Bible chaque jour, dans une année, vous avez fini toute la Bible. Des hommes qui ont passé 4 années d'études théologiques, gen c'est 3, gen c'est 2, gen c'est 1, gen kali, mais comme je vais aller à tout, je vais apprendre un même. Ok? Des hommes qui ont passé 4 ans dans les écoles bibliques, mais malheureusement qui n'ont jamais passé écouter une journée dans la Bible. Jésus fin bay parabole blé à livrer, à Jésus bay explication. Dans Matthieu 13, verset 38, Jésus dit, blé champ, blé à, c'est moun kap servi bon Dieu, livré à c'est moun ki pap servi bon Dieu, petit diabio, bonne semence dans ces paroles là, il dit champ c'est le monde. Le champ n'est pas l'église. Les fils de Dieu et les filles du diable ne sont pas dans l'église. Les fils de Dieu et les filles du diable sont dans le monde. Le champ, c'est le monde. C'est ce que dit le verset 38. C'est ce que déclare Jésus-Christ, maître parabole là. Christ fin bay parabole li, nego marché ba interprétation, qui dépamment avec interprétation par Christ là. Quand soit l'église qui croit moun qui a fait l'évangile, kamari saucisse ak moun qui pas fait l'évangile. Quand soit l'église qui croit en dans la prière, ni moun kap sanctifié, ni moun ki nan péché kap passé menan kou ensemble pour la prière. Nan béni kod ki mari, si mari nou ensemble akòd la chair. Quand soit l'église qui croit moun vi au droite ak moun vi au pas droite, kap adore ensemble, kap prend sainte ensemble, la prière ensemble, fait jeûne ensemble, fait veille de nuit ensemble. Eh bien, je dis à nous di anatem. Nou anatem. Au nom de Jésus. Nous dit l'église sa wanatem, moun sa wanatem, théologien qui a prêché blé à livrer dans l'église wanatem, l'église qui d'accord blé à livrer dans l'église là. Regarde ça frère Paul dit dans Corinthiens 5 verset 1 à 13 là. Paul dit moun dehors nous pas la bonne juger yo. Bay boko la paye yo, bay mambou la paye yo, bay ma sisi, bay lesbienne la paye yo, kite moun yo en repos yo. L'État va le voter loi kounia là pour faire l'église boue ça, l'église va prendre position là. Mais affaire moun nan masisi, moun nan lesbienne, moun nan bouze, moun nan prostitué, frère Paul dit ça pas garder nous. Affaire moun nap touye, moun ça pas garder nous. Paul dit c'est malfaitek nan mitan nous point intéressé nous. L'église va gagner pasteur kap bay pasteur coup de poudre. L'église va gagner pasteur chef gang, pasteur gen zam kap craser élection. L'église va gagner équipe magouyan dans qui n'a fait raquette toute la journée. L'église va gagner femme kap prend mari mounan dans l'église là. Frère à l'église là. Frère à l'église là, tout moun konn madame ni. L'autre range koyo, yo prend mari dans l'évangile là, dans l'église là. Pasteur cause madame pasteur. Kou na pou na veye moun ki nan boko, veye moun ki mason loj, nou hypocrite, nou eselez, nou riziez. L'église la dwe kite riziez. Kan soa moun ki kwen nan l'évangile sa, meli melo sa, nou an dan l'église la, nou di anatem. Come on, 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 come on
Vous êtes sur le 106.5 FM Stéo, la radio télé Évolution Inter. Nous sommes à l'heure de la 707e édition de l'émission Causer l'Église, une édition que nous avons décidé de consacrer spécialement à tous nos frères et sœurs qui se trouvent sur la page Facebook Louis Chadrac. Toutes amis qui branchent l'émission sur page Facebook, yo, nous les saluons de façon très très spéciale jeudi. Nous gagnons une émission à préparer spécialement pendant des heures chaque semaine. Une émission spéciale en bouillon bib. Côté que nous allons prioriser les amis qui sont sur les réseaux sociaux, yo, particulièrement Facebook. Yo. Et depuis jeudi, nous allons commencer à faire ça. Nous allons répondre aux questions des amis qui sont sur Facebook. Yo. Moi, salut frère Robinson Fleury. Ça fait plaisir que nous connaissons brancher émission ça prédicateur l'évangile les qui aimer l'évangile cap bataille pour l'évangile moi salue ti cousine moi Darlene et ça fait plaisir qu'on branche émission hein. Frère Jean-Luc Providence qui c'est un théologien un habitué de la bibliothèque de l'ABC un collaborateur un frère en Christ qui aime la parole nous saluons et sœur Turenne Wilfen qui sous Facebook là étudiant en théologie que nous gagnons Gwentok nous saluons sœur Turenne qui vit Kounia Providential zanmim frère Serge Benoît et monsieur Serge Benoît me saluons Kenson Demoustern frère moi ou même madame mon qui aime émission ça en pile ça fait nous plaisir nous consacrons désormais la dernière partie de la 707e édition de l'émission Causer l'Église avec les amis qui sous Facebook yo merci beaucoup madame Turenne pour tout l'homme ça que vous voyez pour nous ça fait nous plaisir toutes amis sur Facebook yo et nous saluons encore une fois nous saluer et frère Agena depuis Chili qui branche émission amis nous frère Demosthène qui États-Unis un pile monde qui branche tout partout frère Ridley Charles je crois qui Chili nous va prendre les amis qui sur Facebook yo nous cap taper question yo nous avons écrit question yo dans commentaire yo et nous allons répondre yo dans 707e édition frère Jeff Jeune moi quoi qu'a coûté émission pour Prince ça fait plaisir que brancher émission cause l'église sur page Facebook là jodi a nous allons faire auditeur auditrice qui branche sur radio sous Fronticrasse nous allons faire fronti sous Fronticrasse pour nous prendre spécialement zanmi qui sous Facebook yo frère Marc-André Désir m'connais k'ap koute émission est-ce que c'est pas Delma est-ce que c'est pas Delma pasteur et Matthieu chapitre 24 verset 22 nous pral répondre frère Marc-André Matthieu chapitre 24 c'est Jésus qui k'ap répondre deux grandes questions deuxième question a gain deux volets frère Anderson Charles ça fait plaisir qu'on branche émission ancien étudiant nous ici en Haïti qui pas vivre dans pays là étudiant à l'école biblique ABC nous prenons dans Matthieu chapitre merci frère Jeff c'est la pleine frère Jeff branché nous sur Facebook là ça fait nous un pile plaisir frère Jeff jeune qui branché nous la pleine nous voilà dans Matthieu 24 là Jésus-Christ a répondu à deux questions nous dit pasteur Mackinson moi salio pasteur Mackinson Serville quoi qui Brésil si me pas trompé on a précisé moi qui côtoyer pasteur Mackinson quelque temps nous pas parler Matthieu chapitre 24 verset 22
Jésus a répondu à deux questions dans Matthieu. Très bien, frère Désir, c'est Delma, Port-au-Prince, frère Marc-André Désir. Dans Matthieu 24, là, il y a deux questions disciples posées à Jésus-Christ. Première question, maître Bagayo pas là, fait temple pour le détruire. Qui de ça va arriver? Deuxième question, quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Disciples posent à Jésus-Christ deux questions. Qui les temples a détruit? Deuxième question, même c'est qui s'allie, c'est quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde. Un pile monde confond avènement de Jésus-Christ avec enlèvement de l'Église. Il y a une grande différence entre avènement de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Quand la Bible parle du retour de Jésus-Christ, n'oublions jamais que ce retour comporte deux grandes phases. Il y a une première phase qui sera spirituelle, une deuxième phase qui sera physique. La phase spirituelle, Christ viendra dans les airs, la prend l'Église dans la veille. Ça, c'est pas avènement. Là, Jésus a venu chercher l'Église, pas un avènement. À chaque fois que la Bible parle de avènement, comme en Matthieu chapitre 24, verset en eau claire et verset 1er de 3, les disciples posent Christ question, tout comme dans 2 Thessaloniciens 2a, les frères Paul parlaient de l'avènement de Jésus-Christ, le mot avènement veut dire manifestation en gloire. C'est le mot grec parousia que Bible, le Nouveau Testament, utilise pour parler de l'avènement. Laisse ça, c'est Christ a venu dans toute puissance, laisse ça, tout heure le verra, laisse pas un signal donné, laisse pas un monté, pas un deux mouns dans le jardin, yon a l'autre l'arrêté, deux mouns sont cabane, yon a l'autre allé, l'on pas de deux mouns sous cabane, yon a l'autre l'arrêté, ça a venu spirituel, la Christ dans les ailes prend l'église à la avèl a fait deux moun nan chan yon ap mouroun yon ale yon rete. Ça c'est vini spirituel là nous dit Christ prend l'église dans les ailes à la avèl. Mais quand la Bible parle de avènement, qu'on y a nous Jésus-Christ qui vini dans toute gloire li, dans toute magnificence li, le Zacharie chapitre 12 amen dit pral poser pied là sur le mont des oliviers. Le sa Bible a dit clairement en Apocalypse 1er, tout le verra, même ceux qui l'avaient percé. Dès lors n'a parlé de vini en gloire là, ni avec sa rétribution. Jean dit dans chapitre 22 Apocalypse verset 12 13 14 là, l'a vini les ça avec la rétribution, avec toute sa rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Les ça n'a avènement. Donc les disciples dit Christ qui les bagages sont privés qui gain rapport avec la destruction temple, et puis on dit quel sera le signe de ton avènement. Je pas parler de retour Christ, je même parler de les Christ à venir en gloire, et bien on bien dit tout et de la fin du monde. Et ça dit deuxième question, il y a deux volets, il y a avènement et il y a retour et Jésus-Christ pour avènement et il y a la fin du monde là. Maintenant toute ça Christ prêt dit dans Matthieu chapitre 24 là, faut nous réveillatif. Gen bay Christ dit dans Matthieu 24 qui concerne destruction Jérusalem non, première question. Gen bay li dit gen rapport à deuxième question premier volet. Gen bay li dit gen rapport à deuxième volet deuxième question. Maintenant si ça Christ dit gen rapport à deuxième question deuxième volet, ou voyez dans premier volet, on pas ka comprendre chapitre là. Si ça il dit gen rapport à premier volet deuxième question, ou voyez dans deuxième volet, on pas ka comprendre chapitre là. Si ça il dit par rapport à deuxième question, ou voyez bay première question, pas comprendre. Ça il dit dans première question, ou voyez bay deuxième, ou pas comprendre. Gen bay crise dans Matthieu 24 là, li concerne première question. Par exemple, à ça qui gen à destruction Jérusalem. Dans verset 20, par exemple, Christ dit prier pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Fuite Christ a parlé là, c'est juif qui est pour courir lorsque Jérusalem va le détruire. Verset 20 a rapport à première question. Christ a parlé de la destruction de Jérusalem, de la destruction de la ville de Jérusalem, de la destruction du temple de Jérusalem. Christ il a prié pour ça pas arriver, écoutez, ni en hiver ni jour sabbat. Par dit quelques années après prophétie ça environ 37 ans, l'armée romaine effectivement envahit Jérusalem, un pile juif t'est mouri, un pile juif mouri, ça qui enceinte mouri à tout petit bébé en bas côté paix. Christ dit au prier pour ça pas arriver, écoutez en hiver, parce que en hiver nous pas qu'à dehors ville là, les villes d'autrefois étaient construites à l'intérieur d'une certaine clôture et il y avait des portes d'entrée, des portes de sortie. Depuis ces hivers, dans pile frais du
en Israël, Joël fait États-Unis des fois dans certains états, Joël fait Canada dans certaines régions. Ouais. Laisse à tout le monde dans la ville là pas sorti. Si on va nous en hiver, nous pas chapper pas pas gen moun qui dehors ville là. Mais priez pour ça pas arriver tout ou ça bas parce que la loi te dit par exemple si on ennemi a courir derrière ou pas à courir pendant plus qu'un kilomètre, 1000 mètres dans ou ça bas. Or soit en clair, on soldat l'armée ou même qui sont cheval qui cap courir derrière ou a courir à pied ou pas prêt à faire un kilomètre là. Prend ou pas qu'il faut kilomètre à bouquer tellement cheval la courir rapide ou bral de courir plus. Or d'après la loi, même si son monde cap courir dehors pour touyer de pour y venir yon kilomètre ou de camper sous dépasser kilomètre la kounia, c'est sans de même qui vous touye kounia par la loi pas bon droit pour courir ni marcher plus qu'un kilomètre. Et ça crise dit juif yo la prière pour ça pas arriver ni en hiver ni en sabbat, c'est-à-dire cette destruction de la ville de Jérusalem en l'an 68. Effectivement, 35 l'année après encerclement ça fin fête, l'armée romaine encercle Jérusalem pendant yon année et demi à l'an 2 ans sous la direction du général romain Vespasianus Flavius Titus. Écoutez, c'est pas deux juifs massacrés, c'est pas deux juifs touillés et juifs effectivement, écoutez, pas qu'après la fuite, en pile nan yo te mouri en bas côté pied. Merci en pile zami auditeur, frère Ricardens Salomon. Non, c'est pas frère Ricardens qui pose question ça. Et mon quoi question ça son l'autre serviteur Matthieu chapitre 24 verset 21. Son autre serviteur et ses frères Marc-André Désir depuis Delma, verset 22, 20-22, témoin 22 à tout. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Là, il parle de ces jours qui sont abrégés. Les jours de la fin des temps, alors prophétie ça, ces jours abrégés, li concerné ni destruction Jérusalem nan, ni la fin des temps. Ça c'est une réponse crise bay qui concerné ni destruction ni fin des temps. Des jours abrégés veut dire qui ça? Des jours que Dieu écoutait font passer men en bagayyo ay tout sur les hommes a fait yo et des prophéties qui pas accompli c'est vrai mais gen bagay si bon Dieu pas camper gen bagay si Dieu pas dit hola gen bagay si Dieu pas dit arrêtez sachez que t'as pi grave. Prend exemple dans fin temps là nèg yo qui créer virus qui bay moun maladie sida. Sou bon virus comme ça. Son virus nèg yo planifié dans laboratoire, moi me projeté vidéo ça déjà dans lycée Bicentenaire pour des centaines de jeunes à entreprise qui viennent garder li. Écoutez, nèg yo créé virus ça dans souci pour détruire les noirs. Pour détruire les noirs. Monsieur Alan Afrique, Diane Star chante ça, oui, et nan chante le fait sur l'album Soldat Diayo, a chante Africa, nan yo Alan Afrique, même pas même Diane Star chante là, li chante l'on façon, sou pas bien tant de musique, non pas les Aldia. M'comprenni, Diane Star chante que, nan yo Alan Afrique volontairement, yo bay Afrique aussi là. Donc si bon Dieu pas campé des fois, et même oxygène même nous respirer hein? Les hommes tellement méchants, les maîtres de la terre sont tellement méchants à force d'être orgueilleux parce qu'ils sont les plus riches, ils sont des milliardaires, yo gen G7 yo, yo gen G8 yo, yo gen Union européenne yo, les maîtres de la terre sont tellement méchants, yo ta disparaître nous. Gardon chikon kounia ou de la gen encore ça nous. Gardon choléra qui touye plus passé 13 000 moun en Haïti. Gardon au corona ou vinavel. Mais les vérités sont là. Les vérités sont là. Donc, n'était-ce pas Dieu? N'était-ce qu'elle va dire non sens? Si bon Dieu, pas bon Dieu, n'est-ce pas fini avec nous? Et ça, c'est ça dit là, oui. Et n'est-ce pas fini avec nous? Même nous, même qui dans l'évangile là, même nous, même qui avons résisté là, même nous, même qui kembe la foi, nous avons régné bon Dieu. Si pas de bon Dieu, ça nous est là, oui, pas ça nous a brassé. Si pas de bon Dieu, fini avec nous. Yo fini avec nous, heureusement, bon Dieu, c'est bon Dieu. C'est celui qui s'appelle Je suis et HRA. Heureusement, il est éternellement Dieu. Il n'y a pas manqué dans bon Dieu. Personne n'a pas diminué dans bon Dieu. Personne n'a pas de bon Dieu tout. Il est bon Dieu net. Heureusement, il est bon Dieu vivant hébréa. Et il n'a pas servi. Merci en pile. Frère Marc-André de Bidelma qui branchait émission 707e édition, émission. Causer l'église. De Messiah avec frère Whitler Charles qui Chili. 1 Corinthiens 7, verset 13, 14. 1 Corinthiens 7, verset 13, 14. L'apôtre Paul qui traite
est en 1 Corinthiens des relations conjugales, des relations maritales. Mais dans 1 Corinthiens 7 là, tout gonbay qui très intéressant pour nous dire tant que Matthieu 24 là frère Hitler. Dans 1 Corinthiens 7, c'est pas toute ça frère Paul dit qui pour tout le monde. Certains pasteurs prêchent carrément dans 1 Corinthiens 7, mon mariage mal assisté. Des mariages mal suivants dans l'église, nous t'en des pasteurs qui a prêché de Corinthiens 7, mais deux mains en tête moi. Ou bien bail plein bail le Seigneur. C'est le Seigneur qu'on a pris bail, qu'on a pris le bail ça. Ou bien bail plein bail le Seigneur. N'ayons pas Corinthiens 7 comme si tout ça de Corinthiens 7 là pour tout le monde. Non, en 1 Corinthiens 7 nous avons plusieurs cas de figure. Nous avons plusieurs approches sur plusieurs cas, plusieurs dossiers. 1 Corinthiens 7 traite du mariage, de la sexualité, du divorce, certes. Mais chaque sa frère Paul dit dans Corinthiens 7 concerne un groupe monde différent. Il y a n'importe 7 à 8 groupes monde différents, même une dizaine de groupes de personnes différents que Paul adresse à eux dans Corinthiens 7. Dans verset 13 là, il dit si une femme a un mari non croyant et qu'il consente d'habiter avec elle et qu'elle ne répudie point son mari serviteur. Donc, on femme quand dans l'église là, mari le pas converti, l'église gon tendance. Depuis nèg la pas converti, nèg la pas l'église, yo prend madame yo fait tourner madame Jésus-Christ. Alors les chale fait tourner madame Jésus-Christ. Ah oui, en bas ba il femme pasteur alvinier. Li très difficile en dans l'église pour joindre yon leader évangélique ou gen des femmes qui renmen bon Dieu, ou gen des femmes qui gen crainte bon Dieu, des fois qui fait pasteur comprendre. Yo gen ba yo pas dit. Mais ne baye moi me connaît, ne baye partager avec moi. Des fois c'est mesdames yo oui. Et c'est chama me dit bon Dieu, fais femme yo appel grâce davantage. On prend dans toutes les églises du monde, il y a plus femmes qui cherchent bon Dieu. Il y a plus femmes l'église là youn. Mon senti au plus sous bon Dieu par messieurs deux. Mais troisièmement, ouais, si mesdames te gen connaissance Paul bon Dieu, si on te joint l'évangile là, mon yo souffre mesdames yo souffre. Lorsque les maris ont mal vécu avec yo, lorsque les maris ont pas pris soin yo, lorsque les maris ont quitté yo, mais d'abord qu'un bédinité, qu'un béfidélité yo, hein? Des fois c'est yo qui pas quitté pasteur en bas yo, pasteur cherche où tu es, pasteur cherche quelque coude, quelque fenêtre pour arriver sur yo. Des fois yo bloqué, qui pas pasteur en distance, hein? Qui fait abattre main en chaîne yo? Bible dit si on forme dans l'église là. Marie par l'église là, si Marie voulait vivre avec elle, puis la femme n'a voulu jeter. En plus, fois mesdames, yo, par manque de connaissance de la parole de Dieu, l'église prend courir vers la droite, courir vers la gauche, l'église prend fou dans toute activité, l'église prend râler, pour essayer à séduire, et puis sortant de là, yo perd vie Marie. Yo. Mais si vous avez connaissance de la parole de Dieu, vous avez compris que vous l'évangile là, vous avez fait bon Dieu, deux mouns n'ont pas nuit dans sa vie bon Dieu. Deux mouns n'ont pas nuit dans le principe maï là. Vous n'avez pas mis devant des abominations sexuelles, des immoralités pour accomplir. La Bible a dit pour femme dans qu'un bémaril. Donc, tendance dans l'église, comme quoi femme dans l'église, li pas prend ce mari, li pas respecter mari, li pas ben mari affection, li pas coucher à mari, li pas faire manger ben mari, parce que mari a son inconverti, mari a son païen, mari a nan diable, mari a pas nan bon Dieu, sont tendance qui pas l'évangile, on tendance qui pas dans le bon Dieu, on tendance qui pas selon la parole de Dieu. D'après la doctrine de Jésus-Christ, même quand un mari est un non-croyant, même si nèg la ou te gen nan monde l'ote marié avec, je dis au converti, n'est pas converti. Bible a dit tout ça aux femmes chrétiennes doué mari là, femme quand dans l'église là, li doué toute mari li, même les maris ça, pas ta au monde qui l'église. C'est ça frère Paul a dit dans 1 Corinthiens 7 verset 13 à 14, frère Rudler Charles, li pral dit ti moun nous faire tout sanctifier parce que gen youn nan nous maman nan ka ça, c'est votre bon Dieu a, k'ap servi bon Dieu. Donc même sou fait ma petite pour on nèg qui pas l'église, a dit on nèg ou te kretan avèl avant converti, li pa pa la deux moun dans l'église qui pour gagner nèg qui pour ko marier kounya la comme chrétienne qui pral prendre moun dans monde là, c'est pas ça lié. La parler de deux moun qui dans monde là te gagner ensemble qui marié kounya servante la vin converti. Bible a dit même si le converti faut le respecter maril, faut obéir à maril, faut le soumettre à maril, bien sûr faut marier à tout pas empêcher le faire l'évangile, faut marier à tout pas entrer dans la corruption sexuelle. Qui sa corruption sexuelle là, gagne qui pas dans l'église, madame ni la madame ni converti, madame c'est mon Dieu. Dans la rue à bonjour, on le voit ici limoter, on le voit l'anglais soumenter, on le voit dans la mettre, et qu'elle dit femme dans le jour d'y aller, ça fait zone à régler. Hein?
elle pas bien devant aider à besoin. Là elle a dit femme n'aide à besoin, femme n'a rien pour dire avec beaucoup de respect de sagesse, femme chrétienne elle dit Marie là, chérie tu sais que je t'aime beaucoup, tu sais que je suis là pour te plaire, je t'ai tout fait plaisir, mais est-ce que tu sais ce que tu viens de me dire là est contraire à l'évangile et d'elle déshonorer comme femme, je n'ai pas été créée pour le sexe anal, tu sais si je fais ça, je vais te plaire, peut-être moi-même tout des fois, si me d'apontison en amont c'est vrai chérie, on va bien ça toi. Gè ça oui, femme n'a pas résister. Moi-même tout me d'apontison en amont, je dis nous en douce en pile, je dis elle commence douce au début, elle pas trop douce, mais elle vient douce d'après toute sa mli, recherche moins fait, je dis le pire douce que devant, hein? Écoutez chérie, mais est-ce que tu sais, pendant que je me fais plaisir, si me fait ça, la abomination, j'ai bon Dieu, moi pas qu'à faire chérie, quand soit j'aime vraiment, même pour pas bon tout, si me pire mon passé bon Dieu, quand les bon Dieu qui a frappé, il qui a frappé, d'ailleurs le fait que m'a servi bon Dieu, je sais bon Dieu, grâce bon Dieu protège, je connais qui compte ça tout. Mon acte coup papa pendant tout temps fait comme un converti papa me grand pile respect pour l'église papa me grand pile respect d'ailleurs jour l'église m'en pas chita coude m'en couturier m'en pas chita travail jour l'église nous en rend chita dans l'église gnek intelligent gnek pendant là tout chat et chat calice li dans voyer pied passer par là et dans madame moun passer par là li connaît prier madame ni cap sauver le cap protéger si bon mauvais coup de poudre mon mauvais zombie sur le mauvais morceau li à cause servante là bon Dieu qu'a font grâce pour lui que nèg intelligent de raconte ça oui en pile nèg qui malandre sans ave ou pas petit moun église ou ben hein gnèg qui dans monde la madame ni yo kay boko nan bolet toute bagaille gros de rivo c'est lui qu'a forcer fi à convertir. Dimanche matin là elle bonne et nous ko parler ouais papa me cap jouer parce que tout petit nous ko parler tout pour n'cala pour ko parler te chaille mon la caille moi comme ça maman me teyé elle est née pasteur et c'est marché ramasser mon passé par là dans famille dans quartier mon met dehors l'église pour cause l'évangile la caille yo c'est prend yo ou capable la caille moi n'importe 60 mon dans caille là. Ma mère était et ainsi, elle avait le don de service, de secours et de libéralité, etc. Pour être papa m'kap joué, et puis mettez moun dans la machine, brote moun, allez vini, à la l'église là, koufine brote tout moun gounia là, li la pour venir chercher nous, li l'ambi tête droite. Il me met kaye gou maman le persévérer grâce à Dieu, c'est li l'ambi le persévérer, et dans li sa biche li persévérer, comprenne, et dans yo biche li persévérer, c'est là et là l'église liye, li passe la tout moun église là, yon est intelligent. Il y a qui connaît les madame n'a pas bon Dieu sont bien les pour petite lui sont bien les pour lui mais il y a qui tellement aveuglé par le prince de ce monde lui-même écoutez quand péché femme dans l'évangile attention bon différence entre on est qui besoin madame ni on joue pendant madame dans le service l'église ça qui arrive bonjour dit chéri m'pa taille moi l'église jodi a chez ou pas cal dans mission ça chez ou pas cal dans programme ça les sa fort femme chrétienne très intelligente très perspicace, folle très sale pour gérer situation ça avec un nèg lui même qui pas d'accord moun nan fait l'évangile. Si nèg la pas d'accord femme nan fait l'évangile, faut que leader l'église yo laisse ça, c'est laisse ça au cahier de femme nan pour nèg la faire ou que lui pas gagner la l'évangile. Mais si c'est pas l'évangile nèg la empêcher femme nan fait. Si c'est pas prostitution sexuelle, par on est qui doit madame nous bonjour pas dit chérie, qu'on aime les deux femmes faire l'amour, venir avec on ménage là, on fait l'amour. Ça c'est position sexuelle. Femme chrétienne pas d'accord ça. Gen sagesse si pour utiliser pour refuser ça. Gen bagaille on dit par exemple nèg la dit madame nous voyons bolette pour lui. Bon, femme chrétienne pas capable de bolette pour Maril. Donc là, gen bagaille depuis nèg la nous dans l'évangile là, c'est pas où pour réagir non, dossier doit l'église là, des docteurs, des prophètes, des pasteurs examen dossier, des apôtres, des évangélistes, des diacres, des diacres examen dossier, et puis kounya pour reler nèg là, pour faire le connaître son chrétienne qui dans mêle, gen bagaille qui possible, gen bagaille qui pas possible, si nèg la ressaisi là, foi y a continuer, s'il pas ressaisi là, s'il tient à ce que fiable fait volonté le contrairement avec la volonté de Dieu, s'il le mettait servante dans un état de sécheresse, dans un état de détresse spirituelle, pour servante là pour un homme ni perdu, laisse la Bible a dit pour l'église la craser mariage là. Mais laisse ça tout, faut pas gagner avec mariage non? Faut pas aller tacter faire non? Pour l'église la craser d'après verset 14-15 dans la serviteur, faut que l'église a fait mariage là. Oui?
Merci à tout le monde qui t'est branché tout partout pour la 707e édition de l'émission Causer l'Église. Malheureusement, les deux questions qui ont été posées ont tellement demandé des explications. On n'a pas pu satisfaire davantage d'auditeurs, d'auditrices, d'internautes qui sont par Facebook là. M'espérer plusieurs jours n'a fait comme ça. N'a consacré espace débat à zami qui sous Facebook. Yo men a préparé un bouillon bib côté que tout ko enseignant nan studio a pour nous prendre toute question gen sur WhatsApp qui pa gen temps répondre dans semaine nan. Pour prendre toute question gen sur Facebook yo pour nous répondre yo. Nous compte faire ça yon édition spéciale émission Causer l'Église nan yon jour dans semaine nan kap durer plus que 6 heures de temps pour n'a répondre question tout zami tout partout. N'a pas seulement demain si Dieu veut pour la 708e édition de l'émission Causer l'Église. D'ici là, passez une très bonne fin de journée en compagnie de la programmation de la radio-télé Évolution Interne. N'a continué battant, n'a continué goumen pour Bible triomphante dans l'église. Pas oublier souvle étudier la Bible, inscrit dans un groupe WhatsApp Causer l'Église yo. Écris-nous sous 37 25 50 25 pour qu'a venir membre dans groupe WhatsApp yo ou à tout carré des enseignants qui prêt qui disposé pour répondre à toutes questions qu'on gagne bien sûr sous la supervision du docteur Louis Chadrac. Sous pour gagne livre ça les vérités mensongères du catholicisme qui raconte la vraie histoire de l'église catholique qui passe prend toute doctrine catholique devant le tribunal de la Bible pour qui sa Bible dit de yo. Sous pour gagne relé servante de bon Dieu à sous 31 20 70 75 pour qu'a gagne livre ça. Sous pas vivre en Haïti version électronique l'on ka recevoir sous téléphone ou ka recevoir sous laptop ou ce livre de près de 200 pages dont serviteur pasteur Louis Chadrac c'est auteur li toute sorte à de connaître sous l'église catholique romaine en dans livre ça. Version électronique l'on ka recevoir la caillou à l'étranger. Prend contact à 31 20 70 75 la sœur Imen. Salutations spéciales à mon fils Louis Chadrac fils qui part avec jodi en studio n'a pas tout à l'heure dans délégation qui prêt aller au Saint-Marc Bab pour aller inaugurer club biblique Babla. N'a pas ensemble demain si Dieu veut comme c'est dit pour la 708e édition de l'émission Causer l'Église. Les âmes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes spirituelles capable de renverser des forteresses. Voilà pourquoi nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, nous dit l'apôtre Paul. Faut que l'église à l'église, soyez bénis, soyez instruits, soyez nourris de la parole de Dieu sous l'assistance du Saint-Esprit par sa grâce et pour sa gloire.
la communauté des radios de ces jours-ci, les choix sont à la fois multiples et divers. Et sur la bande FM ou en Sub Carrier, on comprend combien votre choix peut être embarrassé. Mais dans la foulée des options et des choix possibles, les bons sont très rares. Il est vrai, trop difficile à faire. Dans ce doute, ne vous abstenez surtout pas. Soyez intelligent. Faites le choix le plus intelligent. Nous sommes ceux qui relient votre réveil à votre sommeil. Ceux qui allument et colorent vos nuits les plus difficiles. Nous sommes la procédure qui va des dinosaures aux voitures électriques. De l'antiquité ou du lambi qui devait rassembler les esclaves jusqu'à 1804. Aux vidéophones d'aujourd'hui qui nous connectent au monde entier à la seconde. Nous sommes le pourquoi la science existe. Nous sommes carrières, nous sommes la première. Sur les dernières technologies de l'information, nous sommes la dernière. www.radiotvévolution.com. Nous sommes Radio Évolution Inter. Votre choix intelligent.